Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabart, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le skipper massif 2020, et Loïs Béréard, le skipper massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo maître coq, jusqu'à la solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau skipper massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires. Pour ce premier épisode de la saison 2 2022, on se retrouve avec les deux skippers massifs, Erwan Le Draoulec et Loïs Béréard, qui goûtent un repos bien mérité après leur victoire dans le trophée Bepego sur la route des îles du Ponant, si je prononce bien le nom de la course. Erwan et Loïs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Fort et clair, Pierre-Yves. Ouais, salut Pierre-Yves. Salut. Et puis nous avons, comme il y aura sur chacun des épisodes de cette saison 2, nous avons une invitée en l'occurrence. Et ça ne pouvait être personne d'autre que la patronne du pôle Finistère Course au Large de Port-la-Forêt, qui a préparé ces deux jeunes marins tout au long de l'hiver. Et je parle de Jeanne Grégoire, qui nous entend depuis le pôle de Port-la-Forêt. Salut Jeanne. Bonjour. Messieurs, première petite question. Dans quel état êtes-vous après ces deux premières courses? Est-ce qu'on est dans une phase de repos? Est-ce que vous projetez déjà dans l'échéance suivante? Comment vous êtes? Vous êtes dans le jacuzzi? J'ai la vidéo, donc je triche un petit peu. Vous êtes dans le jacuzzi en train de vous faire masser ou comment vous vous sentez après cette deuxième course? C'est qui commence? Erwan. Écoute, c'est vrai que les deux premières courses se sont bien enchaînées, se sont bien passées. Voilà, c'était super. L'équipe était au top, donc c'était bien sympa d'enchaîner comme ça. Après, on est bien content là d'avoir droit à une petite pause avant le départ de la Le Havre Roller Cup qui sera dans une dizaine de jours maintenant. C'est vrai que voilà, moi j'ai eu un petit coup de barre après la course, après les côtiers encore là ce week-end et tout ça, donc on se repose bien. Après on organise, on va dire, beaucoup, on est moins sur l'eau mais on prépare un peu la suite. C'est vrai qu'on avait préparé le bloc des deux premières courses et puis voilà, il faut préparer la suite, les convoyages, les logements, l'équipe, enfin voilà, donc il y a un peu d'organisation. Et puis, avec Loïs, de toute façon, on est inséparables. Donc, écoute, on passe quand même notre temps ensemble. Et on a passé l'après-midi hier dans le thermique, dans la baie de Quiberon, à faire du kitefoil bord à bord, sous le soleil. C'était une belle après-midi. Puis, après le podcast, on ira sûrement faire un tour dans l'eau encore tous les deux. Et toi, Loïs, comment t'as vécu l'enchaînement solo maître coq et trophée Bepego sur la route des îles du Ponant, conclu par une victoire, rappelons-le. Ouais, c'est clair. Ben non, plutôt bien. C'est sûr que on est quand même content de faire des courses, on s'entraîne tout l'hiver pour ça. Moi, je me suis présenté à cette sélection massif pour ça, pour faire des courses de bateaux en Figaro. Donc, j'étais très content de reprendre en solitaire déjà, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du solitaire tout court. Et encore plus en double avec Erwan, parce que ben on n'avait pas navigué ensemble depuis 2018. On avait fait la Transat à J2R ensemble. Grâce à Jeanne d'ailleurs, entre autres, grâce au pôle, on avait eu ce projet, ce super projet avec des entreprises de Concarneau. Moi, je voulais me lancer en Figaro et on avait eu cette chance de se rencontrer et de faire ce projet-là ensemble. Et du coup, on est resté hyper proches et hyper amis après ça. Et c'est vrai que de se retrouver tous les deux skippers massifs et de faire les courses en double cinq ans après, c'était une chance et du coup on en a tous les deux vachement profité et du coup même si c'est vrai que ben ça a enchaîné au niveau du timing, on a eu peu de repos entre les deux courses, mais je pense qu'on était tellement content d'être sur l'eau, de faire des courses et en plus là de faire celle-là ensemble que c'était un vrai plaisir et donc tout va bien quoi, on est super content de pouvoir vivre ça ensemble. Alors évidemment, comme c'est un podcast, vous ne voyez pas à l'image, mais
le jeune Erwan Adralek en a profité pour faire un petit cœur à son ami Loïs. Donc on a une vraie love story, Jeanne. Tu peux nous dire un petit peu comment tu perçois le duo et les individualités, parce que voilà, tu les as vus se préparer tout l'hiver. Comment tu juges leur début sur la saison là? Ouais, je pense que c'était sympa de la part de Loïs de rappeler qu'ils ont commencé en 2018 ensemble sur une transat, donc c'était encore le Figaro 2. Et il y avait un projet de Concarneau-Saint-Barth de créer un bateau. Et à cette époque, c'était Loïc Ponceau qui était en contact avec le maire de Concarneau. Il lui dit, on n'a qu'à prendre le vainqueur de la Mini. Donc Erwan venait de remporter la Mini Transat. Et puis le deuxième de notre sélection Espoir, et c'était Loïs. Et le binôme s'est constitué comme ça. Et c'est vrai que les premiers entraînements, j'ai encore l'image du bateau auprès tribord Amur qui va vers les Moutons, avec un réglage de voile où on se dit « Ah, c'est pas tout à fait comme ça que ce bateau-là marche. » On voit que ces jeunes ont l'habitude d'autres supports. Puis, ils avaient fait une très belle transat ensemble. Donc, c'est sûr que, c'est dire, 5 ans après, ils font donc la route des îles du Ponant en double. Alors, vous n'étiez pas très motivés cet hiver pour la faire, cette course, parce que c'est vrai que c'était hyper serré comme timing, l'enchaînement des courses. Et ils viennent tous les deux. Il y avait quand même un très, très beau plateau. Avec des figaristes expérimentés, avec des anciens qui venaient prodiguer des conseils. Et c'était une jolie course pour voir que deux jeunes bien associés qui ont bien travaillé étaient capables de gagner. Et tu considères qu'ils ont bien travaillé cet hiver? En tout cas, ils ont chacun travaillé individuellement depuis 5 ans. Et pour se retrouver depuis le début de l'hiver à travailler sérieusement ensemble, on a fait beaucoup de solitaires, donc beaucoup chacun seul sur leur bateau. Mais on sentait qu'ils travaillaient ensemble, on avait beaucoup d'échanges individuel ou avec les deux ensemble ou avec tout le groupe. Je pense que le groupe de Port-la-Forêt cet hiver est aussi important à mentionner dans la performance qu'ils ont pu réaliser. Ça a été tout le groupe qui a travaillé ensemble et c'est vrai que les deux blonds sont de bons exemples de la jeunesse et tu parles des petites blagues qu'ils font à la caméra, de l'ambiance qui peut régner, ambiance studieuse mais légère quand même de ce qu'on peut faire en ce moment au pôle. Alors, messieurs, une petite question sur justement le premier bloc dont vous parliez. Comment se découpe une saison de Figaro là quand on la prépare comme vous, avec évidemment l'échéance de la solitaire au mois d'août? Qu'est-ce que représente ce premier bloc là, solo maître coq plus route des îles du Ponant, qui mixe à la fois du solo et du double? C'est quoi? C'est l'échauffement? C'est le préchauffage? Donc je crois qu'il n'y a que la première des deux courses qui comptait pour le championnat de France solitaire. C'est quoi là? On a un état des forces en présence. À quoi servait ce premier bloc dans votre trajectoire de course de cette année, Loïs? C'est vrai que nous on avait prévu de faire dans le programme donc tout le championnat de France et de course au large, donc il y a essentiellement du solitaire, mais il y a quand même une course en double qui est au championnat de France, la Sardinia Cup, qui va nous emmener au Portugal, faire un aller-retour au Portugal en 2 étapes, et donc on va courir ensemble. Et donc du coup cette course là qui était en double, qui était donc pas au championnat, elle avait encore plus de sens parce que elle était avant cette échéance-là, donc du coup ça nous permettait de mine de rien, comme disait Jeanne, on a beaucoup fait d'entraînement en solitaire cet hiver et c'était bien, mais du coup ça nous permettait, ça tombait plutôt bien, ça nous permettait de se recaler tous les deux après vraiment concrètement en course, et donc du coup je pense que cette course-là, elle a entre autres servi à ça. Et puis c'était une course à part entière qui était super en dehors de ça, mais c'est vrai qu'elle nous a permis de nous préparer, parce que nous c'est vrai que l'objectif c'est quand même le championnat de France élite de course au large, donc du coup on peut dire que c'était un bon entraînement pour la Sardinia. Ouais. Erwan, toi t'as vu sur ces deux premières courses, t'es capable de dire qui vont être les tauliers de la saison et qui sont les gens à surveiller, ceux qui vont vite sur l'eau? Il y a déjà on peut déjà faire un état des forces en présence des gens qui vont animer le circuit cette année? Oui, carrément. Je crois que la solo maître coq, elle a un peu cette réputation d'être... c'est la première quasiment chaque année. Donc, c'est là où on voit si les entraînements, on va dire, ont payé par rapport aux autres centres d'entraînement. On voit effectivement qui est en grande forme. Donc, c'est sûr qu'on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en grande forme sur cette solo maître coq.
Et puis, mine de rien, comme dit Loïs, c'est quand même la première du championnat de France, donc faut essayer de faire ça bien directement. C'est pas qu'un entraînement non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'en en faisant cette course-là, on a vu des jeunes noms ressortir et montrer qu'ils étaient là et que cette saison on pouvait compter sur eux. Et voilà. Et puis après, les îles du Ponant, c'est vrai que c'était un autre format. C'était plus axé pour, on va dire, se préparer et aussi pour le résultat, mais à la Sardinia Cup, qui est le grand événement en double de cette année, qui est une année sans transat. Jeanne, toi qui vois ça d'un petit peu plus loin, de très très près, mais d'un petit peu plus loin quand même, justement, sur ce premier bloc, c'est vraiment l'expression qui est consacrée, qui est utilisée depuis le début de notre échange. C'est quoi son utilité dans la projection complète de la saison? Toi aussi, t'as vu des choses, les forces s'installent, on commence à faire déjà un petit peu le tri ou c'est trop tôt? Ouais, je pense que le premier bloc, c'était l'entraînement. La saison en Figaro commençait un petit peu plus tard cette année, commençait mi-avril, alors qu'en général, la saison Figaro commence mi-mars. Donc, le premier bloc d'entraînement, en général, qui s'arrête début mars, là, est allé jusque, je crois qu'on a fini le dernier stage le 8 ou le 9 avril. Donc c'était et en ayant commencé fin janvier, je crois qu'on a fait 7 stages en entraînement cet hiver. Je pense qu'on en a quasiment un gros volume. Hein. Gros volume, ouais. On en a quasiment jamais fait autant avec des thématiques, en essayant de dégager des thématiques spécifiques. Donc ça, c'était vraiment le premier bloc où voilà, tout le monde travaillait, était dans une logique de travail comme les deux skippers massifs. Et puis après, il y a le début du gros bloc et j'ai plutôt l'impression qu'on est au milieu du deuxième gros bloc. Une saison de course qui va de mi-avril, donc avec la Sommetre Coq que tu as mentionné, la route des îles du Ponant qui vient de terminer, et mine de rien, dans 10 jours, ça fait partie du même bloc où ils vont au Havre et après enchaînement avec la Sardinia. Donc ça fait de mi-avril jusqu'au 20 juin où en gros ils sont à fond tout le temps. Ils sont, parce que comme Loïs le disait au début, c'est quand ils sont pas en train de naviguer, ils sont en train de commander leur voile pour la suite de la saison, de suivre les hébergements, de faire un peu de logistique de convoyage, parce qu'il y a des convoyages à faire entre les courses. Quand tu as une course qui se passe à Saint-Gilles, une autre qui est au Havre, et que tu as une semaine entre les deux, il faut que toi tu veux te reposer en tant que skipper, il faut que tu aies quelqu'un de confiant pour amener ton bateau d'un endroit à l'autre. Donc voilà, on est au milieu du deuxième bloc. Après, non, bien sûr, c'est pas une période d'entraînement. Dès que t'attaques une épreuve du championnat de France de course large solitaire, c'est une épreuve à part entière. Donc non, c'était pas un échauffement. D'ailleurs, c'est un petit peu le retour qu'on a eu de certains coureurs, et je pense qu'il est assez vrai, comme on a eu une période d'entraînement assez longue, le fait de s'être retrouvé en course, en solitaire, il a fallu changer de mode et réussir à passer en mode compète. On avait un petit peu évoqué la question au dernier stage en disant attention sur c'est la manche que tu avais gagnée, Loïs, je crois, le dernier entraînement offshore qu'on fait. Oui. Ouais, c'est ça. Et où on avait dit attention là sur ce dernier offshore d'entraînement, il faut que vous passiez en mode compète parce que vous allez très vite vous y retrouver avec la solo maître coq. Donc voilà, il a fallu faire cette transition qui n'était pas forcément facile à gérer pour tous les coureurs. Tellement le bloc d'entraînement avait été long et donc tu restes dans une logique d'entraînement parce que justement cette partie-là est assez dense et assez longue. Vous avez eu du mal tous les deux à switcher en mode compétition? Ça a réclamé un effort particulier, Loïs? Franchement, non. Toi, t'avais faim. Ouais, alors déjà, non, mais c'est sûr. Moi, on en avait fait un podcast ensemble d'ailleurs à cette occasion-là, mais c'est vrai que pendant la solitaire l'année dernière, j'étais pas prêt à regarder une solitaire de l'extérieur. J'avais plus envie que jamais d'y participer. Donc, c'est vrai que pour moi, le retour à la compétition, je l'attendais depuis un petit moment. Enfin, en solitaire, j'attendais depuis un petit moment. Donc, j'étais en mode compétition depuis déjà la dernière solitaire. donc, j'avais très hâte d'y être. Donc, dans tous les cas, j'ai pris les entraînements à Port-la-Forêt comme des compétitions, même si, bien sûr, on est là pour se préparer et s'entraîner, mais les entraînements au pôle sont bien faits pour ça et c'est du coup on fait quand même pas mal de confrontations et donc le jour J on est quand même dans un état d'esprit qui est pas trop dépaysant, même s'il y a plus de bateaux et que ça compte vraiment cette fois, mais le programme hivernal à Port-la-Forêt est bien fait pour ça, enfin je trouve, en tout cas
Du coup, c'était la transition était plutôt, en tout cas, pas trop dur, plutôt assez naturel, quoi. Ouais. Erwan, une autre question pour toi. Là, Jeanne venait de dire que l'enchaînement, en fait, on n'est pas à l'issue du deuxième bloc, on est au milieu du deuxième bloc et qui va continuer jusqu'à la Sardinia. Comment vous organisez pour gérer les enchaînements qui sont très très rapprochés de nav, convoyage, pause, organisation. Donc je comprends, vous avez quand même du temps pour faire du kite, du kite à foil en fait qui vont, mais comment vous gérez ça? C'est très, très très planifié, tu sais, tu te dis bah, lundi je fais récup, mardi je fais sport, mercredi je fais gestion de projet. Vous êtes organisé de manière aussi précise ou il y a quand même un petit peu plus de marge de manœuvre? Bah écoute, déjà on a quand même l'énorme chance dans cette équipe d'avoir les moyens, on va dire, de gérer au mieux ces phases-là parce qu'on est bien entouré. Donc ça c'est quand même c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup ont choisi de soit ne pas faire les îles du Ponant, soit ne pas faire la Le Havre, mais pour pouvoir tout faire avec peu de moyens, je pense que ça demande une énergie folle. Nous, on a une super équipe derrière avec deux super préparateurs. On a des gars sûrs pour convoyer nos bateaux en qui on peut vraiment avoir confiance. On sait qu'ils vont faire gaffe. On a suffisamment de voiles de convoyage pour pas abîmer les belles. Voilà, donc tout ça, c'est organisé et du coup pour nous c'est vraiment génial. C'est ce qui fait un petit peu, je pense, la force de cette équipe massive, c'est que voilà, on a pu finir les îles du Ponant. Nous, on est rentré dimanche complètement crevé avec Loïs, mais je crois qu'on a donné le lundi aux gars, mais dès le mardi ils ont été là, ils ont sorti les bateaux, ils ont réparé les petites bricoles, par exemple sur la quille quand on a attrapé un casier, je crois qu'ils sont en ce moment en train de bricoler un petit peu sur le bateau de Loïs. Voilà, nous avec Loïs, du coup c'est assez agréable à gérer derrière. On s'est retrouvé hier pour faire un petit peu d'administratif, hein, comme dit Jeanne. Voilà, on a pris on a quand même pas notre logement au Havre, donc il était temps qu'on le prenne, mais on s'est occupé de ça hier, nickel. Et puis forcément, je pense quand même qu'on était bien fatigué, effectivement, parce qu'on s'est beaucoup entraîné, on a donné pendant les deux courses, donc on était aussi bien content de prendre le temps de faire ça tous les deux, un petit peu plus cool, de faire un peu de sport ensemble. Puis bon, bah, quitte à faire du sport, c'est vrai qu'on préfère aller sur l'eau qu'aller dans une salle, Loïs comme moi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même, on n'est pas peut-être pas tous les deux les rois de l'organisation et tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, mais mine de rien, avec cette équipe et tous ces moyens, on arrive à faire quelque chose d'agréable. On va arriver à la Le Havre assez frais, dans de bonnes dispositions, alors qu'on a eu peu de temps entre les deux courses. Et ça, c'est chouette et c'est pas donné à toutes les équipes, je pense. J'aime cette dimension gestion de projet sur cette section, ce premier bloc dont on parle, hein, qui est assez dense et qui dure quand même de longues semaines. Cette dimension gestion de projet, elle est importante pour réussir à performer sportivement. Ce que tu disais, tu vois, dans la manière dont tu formulais ta question, tu disais, est-ce qu'il y a un jour où je fais du sport, un jour où je fais de la gestion de projet, un jour où je fais ci? Et en fait, c'est un peu la partie récup de la course au large reprend un peu les mêmes thématiques que quand t'es en course, c'est-à-dire que t'es obligé d'ouvrir plusieurs tiroirs. Tu peux pas te dire aujourd'hui je vais faire que du sport, demain je vais faire que de la gestion de projet et après-demain je vais faire que du technique sur le bateau et après préparer ma navigation. T'es obligé sur chaque jour quand tu navigues pas de pouvoir consacrer un petit peu de temps presque à chaque domaine. Donc en fait t'es obligé de lisser sur une semaine ou sur 10 jours, de dire bah voilà, si j'ai pas fait tant de fois tel si j'ai pas ouvert le placard préparation de nav ou sport sur 10 jours, il y a un problème. Donc c'est déséquilibré. Et ce qui est plutôt difficile, c'est je pense pour les coureurs en Figaro dans cette période là c'est de dire à quel moment je fais une vraie pause, à quel moment je fais un vrai break, et c'est-à-dire j'arrive à aucun mail n'est urgent. Pendant 2-3 jours, j'arrive à me couper complètement du Figaro, à oublier le bateau, à oublier le projet, et à me dire non, il y a, j'ai suffisamment géré en amont et fait un rétro-planning pour faire que pendant 3 jours, je peux ne pas répondre à des mails, ne pas répondre au téléphone et ne pas être sans arrêt préoccupé.
Et voilà, je pense que c'est vraiment la difficulté sur ces périodes qui sont entre, tu vois, là, ils ont, vous avez combien, 12 jours, 12, 14 jours, entre la fin d'une course et le début du convoyage vers l'autre. Et de se dire, ben, sur ces 12, 14 jours, il faut au moins que j'ai, ouais, 2-3 jours où vraiment j'oublie le projet complètement. Et il n'y a pas d'urgence. Et vous avez trouvé ces jours-là, Loïs? Dans votre planning, là, il y a deux jours vraiment off. Ouais, oui, quand même. Mais c'est vrai que au final, c'est pas si facile que ça, parce que ça pourrait paraître assez simple. On a des moyens, on arrive à déléguer tout ça. Mais c'est des projets. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est des projets que on vit tellement à fond que. C'est quasiment, enfin oui, c'est notre vie, tu vois, et donc du coup, c'est dur de s'en détacher et mine de rien, même le fait d'y penser tout le temps te laisse prendre l'énergie. Donc en fait, aussi avec l'expérience, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je sais que c'est assez important de le faire, de comme dit Jeanne, de vraiment prendre un moment. Et donc bah oui là cette semaine pas le choix et Erwan lui enfin voilà Erwan il est un peu plus organisé que moi à ce niveau-là mine de rien il est un peu plus il arrive un peu mieux à mais c'est bien parce qu'en fait au final on même si on est très proche et qu'on se ressemble on est assez complémentaires sur pas mal de sujets et du coup, là, cette semaine, on a dit, bah voilà, on se prend 3 jours, on s'occupe de nos logements, de notre logistique, et après on fait du kite et du wing. Bon, par contre, on se sépare pas, donc ça c'est. mais du coup, on arrive à quand même à un peu couper. Il faut quoi. C'est une vraie bromance. En fait, la coupure, c'est quand vous allez plus, vous arrêtez de vous voir quoi. Ouais, mais là, on est malheureux. Oh, c'est beau. T'as vu, le message n'est pas facile à faire passer. Hein. Non. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dur de complètement décrocher. Hein. C'est un vrai sujet parce que tu te dis, je coupe 3 jours et puis tu reçois un texto de ton voilier qui te dit il te reste 12 heures pour me commander une GV si tu la veux pour telle course et c'est fini. Enfin là, ça va te prendre toute l'après-midi. Est-ce que je veux ce rond de guindant? Mince, c'est maintenant qu'il la veut. C'est pas très facile de réellement couper et je pense qu'on a du mal à réellement couper. On arrive à prendre des vraies phases de détente. Je pense qu'on arrive assez bien l'un comme l'autre. Il y en a toujours un qui va motiver l'autre pour la vraie phase de détente. Mais c'est sympa hein, d'être une équipe comme ça jusqu'au bout. Bon, des fois, on a toujours envie de se mettre des claques aussi, mais c'est moins souvent que de rigoler. Ah, c'est que le début de la saison. Bon, et petite dernière question. C'est quoi les enjeux pour vous là sur le Havre Holmer Cup? Donc c'est des formats de course encore un petit peu différents. C'est quoi les enjeux et les objectifs pour vous? Erwan, on continue avec toi. Ouais, bah écoute, moi j'ai l'impression là depuis que je suis chez Massif que je progresse. Doucement mais sûrement, voilà, je saute pas trop d'étapes, mais ouais, j'aimerais bien doucement, voilà, commencer à me rapprocher des bons résultats. Donc c'est de continuer un petit peu après là. C'était une belle solo Maître Coq, en tout cas une belle grande course. Il manquait pas grand chose pour faire mon meilleur résultat en solitaire sur ce format d'étape. Donc j'espère le faire sur cette course là. C'est toujours compliqué de te dire que j'ai envie de faire un podium ou de gagner quand je l'ai pas encore fait. C'est peut-être quelque chose que je ne connais pas trop encore, même si maintenant c'est vrai qu'on a gagné en double avec Loïs, mais en solitaire c'est encore un autre sujet. Et voilà, j'essaie de me rapprocher de ces résultats là forcément j'en rêve très très fort, mais je pense que je veux arriver doucement et sereinement à la solitaire, qui est quand même mon gros objectif. Donc je vais essayer de finir mieux que ce que j'ai fini sur la grande course, comment j'ai fini la grande course de la Solo Maître Coq. J'étais dans le bon paquet, c'était déjà une super chose pour moi. En vitesse, ça a toujours été un peu dur d'avoir la vitesse en Figaro, donc en tout cas tout seul. Et voilà, mais voilà un petit peu l'objectif. Puis après, non, c'est un peu le même format que la Solo Maître Coq. Alors là, Jeanne, elle va rigoler parce qu'il y a des côtiers, ils savent que je suis passionné, tout ce qui est côtier et banane, c'est vraiment ce qui m'anime. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment des trucs où j'ai toujours eu peut-être un peu peur, j'ai toujours été pas à l'aise. Et puis en fait, à force de dire ça, bah, au bout d'un moment, faut arrêter de le dire et puis faut faire bien. Et il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, les côtiers l'année dernière sur la Maître Coq étaient très bien. Le dernier côtier cette année était très bien. Donc continuer sur cette lancée-là, vraiment progresser et monter encore d'un pas
par rapport à ce que je faisais l'année dernière et sur la métropole. Très bien. Loïs, toi, c'est quoi ton objectif sur la Le Havre Hallmark Cup? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs objectifs. Forcément, il y a un objectif sportif parce que c'est une épreuve du championnat de France. Donc, moi, j'ai vraiment envie de me rapprocher des podiums de manière plus consistante. Enfin, en tout cas, je me donne les moyens pour. Donc, c'est pas toujours facile. Hein. Le niveau est tellement élevé que la moindre petite erreur te fait perdre le podium, quoi. C'est un peu la reprise aussi, donc il y a un objectif de bien reprendre ses marques, de bien se reposer son jeu et sa façon de naviguer pour bien se réhabituer au solitaire. Et puis il y a un objectif aussi de continuer à structurer l'équipe. C'est vrai que, comme disait Erwan, l'objectif quand même c'est vraiment, enfin, même si le championnat de France est un objectif, notre rêve c'est la solitaire du Figaro, c'est d'aller chercher un résultat sur la solitaire. Donc, mine de rien, ces courses-là, quand même, te permettent de consolider quelque chose avec l'équipe, avec ton co-skipper, avec tes partenaires, pour arriver sur la solitaire au top, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, je crois qu'on va beaucoup dire ça tout au long des épisodes de cette année. On va beaucoup dire ça, hein, d'arriver au pic de la forme, de la fraîcheur mentale, de la forme physique, ouais, de la mise au point technique pour le début du mois d'août, quoi, grosso modo. Hein. Oui. Alors, c'est facile à dire et c'est pas forcément facile à faire. Hein, donc voilà. Donc, en tout cas, il y a un objectif sportif et puis il y a un objectif direct et puis il y a un objectif un petit peu plus long terme, quoi. Donc, si on peut réussir à allier les deux, là, on est dans un monde parfait, quoi. Jeanne, toi qui, avant d'être directrice du Pôle Finistère Course en Large, a été coureur sur le circuit Figaro de longues années. Il y a longtemps, tu te rends compte que ça fait 10 ans? Ben oui, c'est bien. Moi, je vois la date, ça me fait bizarre quand même. D'ailleurs, Loïs, il me le dit des fois, Loïs, il me dit « Ouais, mais ça, c'était avant, Jeanne. » Oui, mais il y a quand même des fondamentaux, tu sais. Ça, c'est en Figaro, hein, Jeanne. C'est ça. Ils connaissent pas le Figaro. Je voudrais que tu croises ton regard de directrice du pôle et de coach, quoi, avec tes souvenirs de coureuse sur justement ces courses là qui sont avant le solitaire, cet enchaînement. Comment toi tu verrais l'objectif? Qu'est-ce que ça serait les objectifs pour toi sur une course comme celle-là dans ce calendrier encore une fois très très dense, hein, de la saison Figaro? Pour le Havre-Hallmark Cup, c'est une course à part entière. Donc en fait, d'abord tu vas faire une compète et tu vas pour gagner. Et après, tout le travail justement qu'on essayait de faire cet hiver, c'était de dire vous êtes sur une compète, mais ça doit pas. En fait, t'es dans la compète, tu veux donner le meilleur. Tu mets en place les réglages que t'as bossé pendant l'hiver et que t'as choisi pendant l'hiver, la stratégie que tu penses être la meilleure. Et tu peux avoir tout ce schéma qui est à peu près ancré en te disant « je vais faire la meilleure compétition possible », mais ça ne doit pas te renfermer. Il faut que ce soit juste une base qui te permette de dire « là, que ce soit pour Loïs ou pour Erwan, l'objectif, c'est top 5 sur toutes les manches, parce qu'ils ont le niveau technique pour le faire. Mais par contre, si je m'endors dans ma routine, dans ce que j'ai prévu, parce que j'avais décidé que ça allait se passer comme ça, ils vont faire 10 ou 15. » Et après, c'est de se dire comment sur ces courses-là, en sachant qu'en Figaro, il y a toujours plein d'imprévus et toujours des faits de course, je suis capable d'avoir les yeux suffisamment ouverts pour continuer à travailler. Et donc, en fait, ce réglage qui était hyper optimum en bête pour la forêt ou qui a marché à la kilomètre coq, là, je vais être au Havre, dans du courant, avec la mer de la Manche qui est forcément différente. Et donc, je vais adapter un petit peu mon réglage. Donc, ma base, elle est connue. La stratégie, ils savent tous les deux faire de la stratégie, donc on sait qu'avec le courant, on va faire comme ci, que le vent va faire ça, que j'aurai un diffond là, et qu'est-ce que je vais aller chercher en plus. Et en fait, je pense que c'est comme ça que tu peux faire une perf sur la course en elle-même, et que tu prépares et que tu continues à être dans un fonctionnement d'entraînement pour la solitaire. C'est-à-dire que tu as un fond de jeu qui est solide, que tu es capable de mettre en place, et ça, ils en sont tous les deux capables. Et beaucoup de figaristes en sont capables parce que le niveau est assez homogène. Mais par contre, ceux qui sont capables, en plus de ça,
d'avoir cette sorte d'assurance et en plus de garder les yeux ouverts sur toutes les nouveautés et les opportunités qu'il peut y avoir sur le plan d'eau, en termes de réglages, en termes de, ouais, de choix de voile, de petits fonctionnements, toutes ces petites choses qu'on continue à travailler pendant qu'on est vraiment en course, parce que c'est le seul moment où tu les valides pour de vrai. On peut se dire, ah bah, il y a les configs de voile en bête par la forêt, ça va être comme ci, ça va être comme ça. On s'est dit, bon, c'est ça qui marche. Puis en fait, là, toi, t'es sur l'eau, tu dis, bah, c'est ça qui marche. Sauf qu'en fait, le mec, là, il va 0,3 nœuds plus vite que moi, il fait nuit, je vois pas ce qu'il a. Est-ce que je devrais pas essayer quelque chose? Alors, Loïc, il dit non, tu vois. Ça, c'est du Loïc. Ça, c'est normal. C'est du Loïc. Non, non, 0,3 nœuds plus vite que nous, faut pas deck. Mais voilà. Et je pense que c'est la logique qu'il faut avoir sur toutes ces, enfin, qu'en tout cas, on essayait de leur inciter à avoir, sur les entraînements et dans la manière d'aborder les courses. Je pense que ça, c'est important. On a fait une petite blague, mais ils t'ont écouté avec beaucoup, beaucoup de concentration, je trouve. T'as vu, j'arrive à capter leur attention de temps en temps. Exactement, tout à fait. on voit que vous êtes fatigué quand même. Hein. On voit que vous êtes bien cuit. Ça ira mieux la semaine prochaine. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange et pour ce premier épisode. Jeanne, peut-être qu'on te reverra sur un épisode de la saison, mais au moins les deux garçons, on se retrouvera juste avant la Sardinia Cup, autour de vers la mi-juin, un tout petit peu avant. On va vous laisser aller renaviguer, prendre donc du coup aller encore faire du kitesurf. Il fait pas très beau aujourd'hui. Non, mais il y a du vent. Là faut que tu nous libères là. Là faut que tu nous libères. Là. Parce qu'après il y a le front qui passe et tout, donc. N'oubliez pas quand même que vous avez bossé la pétole pendant la route du Ponant. Donc maintenant vous êtes des kingos de la pétole. Ça c'est sûr. Bon, des fois on s'est regardé dans le blanc des yeux quand même. Hein. Bon, en tout cas, ce premier épisode d'Au-delà, nous allons pouvoir chroniquer tout au long de la saison 2022 la bromance, comme on dit, pour pas parler d'histoire d'amour, mais de la bromance, la belle histoire d'amitié entre le jeune Erwan Ledraulec et le non moins jeune Loïs Béréard. N'est-ce pas, Jeanne? La bromance, j'ai mis un moment. La bromance, ouais. Vous allez voir, vous ferez une recherche Google. Allez, merci à tous les trois. Et bonne navigation aux uns aux autres. À bientôt. Merci à toi. Ok, merci Pierre. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur le site internet massifcourseaularge.com.